Bonjour à tous et bienvenue dans Nana. Aujourd'hui, je me trouve devant l'Ami du Pain, une boulangerie atypique ici à La Rochelle et qui compte rentrer dans l'histoire. Et on va tout de suite comprendre pourquoi. Bonjour Ludovic, alors premièrement, est-ce que tu peux nous donner la particularité de ta boulangerie atypique? Alors la boulangerie, comme vous l'avez vu, elle est très petite, elle fait 1m15 de large seulement. Donc on essaie de caler tous les produits au maximum dans le rayon. Donc vous avez monté un projet qui est de rentrer dans le Guinness World Record de la plus petite boulangerie de France. Comment est-ce que vous comptez procéder? Alors c'est même la plus petite du monde du coup, parce que le Guinness c'est mondial. Alors on a fait la demande via leur site, comme n'importe qui pourrait le faire pour n'importe quel record. Et donc ils nous ont répondu que le record c'est un nouveau record sur leur plateforme. Et ils nous ont précisé du coup que c'était ok, qu'on pouvait faire le record. Donc pour la plus petite du monde, la plus petite façade. Super, et est-ce que vous savez comment ça va se passer si vous obtenez ce titre de plus petite boulangerie du monde? Alors avant tout, pour certifier le record, ça engage des frais, par Guinness pour utiliser leur logo, pour qu'un juge vienne sur place, mesure la façade et donne le certificat en direct. Et donc ça c'est 15 000 euros de frais. Donc on a lancé une cagnotte pour essayer de trouver des sponsors aussi, on charge des sponsors qui souhaitent être visibles sur l'événement. Et derrière ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas on sait que ça va faire vivre l'événement le 7 septembre. Déjà, on va passer une bonne journée avec des concerts et tout. Et si après, derrière, on espère que ça va se faire vivre le quartier un peu plus qu'avant et que les gens se baladent dans le coin un peu plus qu'avant, quoi, du coup. Voilà, ça c'est sur le long terme. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonne journée. Merci.